Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Je suis tout seul. Bonjour Swan, je ne suis pas tout seul, ça fait toujours plaisir. Bonjour Benjamin, merci. Donc vous m'entendez. Bonjour Laetitia, bonjour Eddy, merci d'être là pour ce nouvel épisode. Il y a du monde là, superbe. C'est un épisode important du Club VM Excellence. Un épisode même passionnant avec deux invités, vous allez le voir. On aura avec nous Clément Réau et Cédric Laporte. Qui vont nous parler d'une méthode. Bonjour Clément, je ne suis pas tout seul, ça fait. Salut Thibault. Tu m'entends? Ça passe? Je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, merci d'être là. Écoute, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce club VM Excellence, le dernier de Je suis l'année. très content d'être là aussi. C'est un club important, un club très important. Bonjour Cédric, ça Salut va? Thibault. Ah, impeccable. Écoute, je suis en pleine forme. J'espère que vous êtes aussi en forme. Ça a l'air d'aller. Nos Comme auditeurs d'habitude. ils attendent des conseils. C'est un événement important. Pourquoi? Parce que je vais faire le lien avec Vitrine Média. Une fois n'est pas coutume. On a lancé notre activité il n'y a pas de 15 ans avec la conviction que la vitrine, c'était important. Très important. Voilà, d'avoir une vitrine, d'être présent localement, de pouvoir communiquer. Et puis, c'est vrai que le digital est arrivé. Alors, ça existait déjà, hein, il y a 15 ans, le digital. Mais je pense qu'on n'en était pas là. Oui, le principe personal branding, c'était déjà là. Mais ça a pris une forme et une ampleur sans précédent. Moi, j'ai été séduit. J'ai trouvé votre méthode étonnante de simplicité. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu. Parce qu'on parle beaucoup du digital, on parle beaucoup de marketing digital. Tout le monde en parle, mais personne n'y comprend rien. Pourquoi? Parce qu'un peu comme la médecine, parfois, c'est un peu obscur. On cache des choses, on nous cache des choses. En fait, je pense qu'on ne veut pas qu'on comprenne. Peut-être pour laisser des grosses sociétés s'en servir et nous proposer des choses compliquées. Mais avec vous, c'est simple. Donc, ça fait On a de l'aide plaisir. à comprendre Déjà, moi, j'ai besoin de comprendre. Ça, c'est important. Et puis après, nos auditeurs, ceux qui nous regardent. Et puis, une dernière chose. On a eu un épisode intéressant la semaine dernière avec Romain Cartier et Jean-David. Le Pineux, on s'est dit que c'était pas mal de faire 300 000 euros d'honoraires. Je sais que tu l'as déjà fait, Cédric, 300 000 euros d'honoraires par an. Je trouve que c'est un bel objectif de faire 300 000 d'honoraires par an. Là, lié, hein, parce que par agence, il faut faire plus naturellement. Et par oui, conseiller, par 300 000 conseiller, euros. on l'a pas. Oui, par conseiller, parce qu'effectivement, une agence peut regrouper un certain nombre d'agents et de conseillers. Et puis c'est vrai qu'on a parlé beaucoup ces derniers temps de pige ou de prospection. Et puis c'est vrai, on s'est dit, mais c'est important, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode, une méthode nouvelle, un peu le Saint Graal, le rêve de l'agent immobilier? La méthode, ça serait, je n'ai plus besoin de passer de coup de fil, j'ai plus besoin de faire de prospection. Et j'aurais donc une nouvelle méthode pour quand même générer du lead et réaliser ces fameux 300 000. Voilà. Pour moi, c'est ça le sujet. Donc, je suis content que vous soyez là pour que vous puissiez nous apporter des réponses et des clés, pour que nous puissions démarrer 2021 avec de nouvelles recettes. Voilà. Alors, Au top. on commence peut-être par toi, Clément, même si Cédric, alors je ne sais pas, parce que finalement, vous êtes associé, il y a combien de temps que vous êtes associé? Racontez-moi l'histoire. Allez, vas-y Clément. Ça fait donc on a lancé les conversations pour travailler ensemble septembre 2019 et ça s'est enchaîné par la suite. Et ensuite on a très rapidement monté le projet Conseiller Influent. Et du coup, aujourd'hui, ça va faire bientôt un an qu'on travaille côte à côte sur différents projets. Donc ce projet qui, j'imagine, vous prend beaucoup de temps parce qu'il faut former, il faut. Oui, ça vous occupe. Un peu, c'est peu dire, c'est le cas de le dire. Et qui vous réussit, puisque je crois qu'il y a déjà 350 agences, en tout cas conseillers, qui ont choisi de suivre votre méthode, c'est ça? Exactement, ouais, 350. On a démarré donc l'aventure Conseiller Influent en mars. C'est simple, on a cliqué sur le bouton démarrer Conseiller Influent et boum, on s'est retrouvé dans le confinement. C'est à peu près ça, Clément. On était vraiment Le 9 tout mars, juste. exactement, on a lancé Conseiller Influent. Et Et le aujourd'hui, on est 16, on était en confinement, je crois. C'est ça. C'était Et juste aujourd'hui, on avant. est plus Donc, de 350 ouais. de tout réseau confondu sur toute la France, même les pays limitrophes, francophones, quoi. Donc, ce n'est pas le confinement qui a créé l'activité, c'est véritablement, c'était prêt juste avant. Donc, il y a un timing extraordinaire, un peu de la chance quand même. Exactement, c'est la chance, mais la chance, comme le dit Philippe Gabillet, c'est une compétence. Voilà. Donc nous, on a juste entre guillemets, on est arrivé effectivement au bon moment et on a saisi l'opportunité. Effectivement, c'est la vague s'est amplifiée, nous a emmené. Après, on était dans le tube. Vous étiez au bon moment, au bon endroit pour lancer une activité
totalement adapté effectivement au moment. Alors, c'est une association, donc ça remonte un petit peu, mais donc tu as été le test un peu, toi, Cédric, tu as été le test des méthodes et des outils de la dynamique de Clément, c'est ça ? Exactement. Alors, bon, pour me présenter succinctement, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Clément, je te laisserai la parole juste après. Donc, moi, je suis Cédric Laporte, je suis agent immobilier, conseiller immobilier depuis 2002. Et je me suis retrouvé à un moment donné, comme tous les agents immobiliers, confrontés à toujours à cette difficulté de la concurrence intense, de la phase de recrutement également, recruter des bons collaborateurs, des gens qui ont envie de travailler avec toi et tout ça. Et je me suis retrouvé face à une difficulté qui est d'essayer de me différencier, quoi, tout simplement, de trouver des canaux qui vont me permettre d'acquérir des leads propriétaires d'une manière plus pérenne. Et en fait, j'ai tout simplement pris, si tu veux, l'ADN de mon entreprise, qui est une agence à la base donc familiale, qui a été créée en 1968 sur des valeurs de famille, d'entraide et compagnie. Et à partir de ça, si tu veux, de cette matière-là, je me suis exposé sur les réseaux sociaux en parlant, si tu veux, des valeurs, en mettant en place le personal branding de l'agence sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est tout simplement la continuité de ce qu'on a fait à l'agence qu'on a mis sur le digital, et ça nous a permis d'avoir cette visibilité-là. Donc, j'ai 38 ans, 2 enfants, je suis marié, j'habite dans les Yvelines, j'ai une agence immobilière avec 6 collaborateurs, ouais. 2 conseillers immobiliers, 4 conseillers immobiliers et 2, une directrice d'agence et une assistante. Ouais. Et en parallèle, développement de conseillers influents avec Clément, qui va t'en dire un peu plus, et le développement également de disrupteurs immobiliers, qui pour le coup, là, une formation purement métier. Donc, le digital, je te laisse creuser sur la question en même temps que de te présenter, Clément. Oui, Clément, présente-toi, effectivement. Maintenant, Cédric, c'est clair. Enfin, ça fait longtemps que le métier d'agent immobilier, c'est ton métier depuis que tu es né, parce que 1968, c'est à peu près ça. Ouais, 1968, création de l'agence. Moi, j'ai démarré en 2002. Avant, j'étais mécanicien automobile, pas de diplôme. Et donc, de 2002 à aujourd'hui, 18 ans d'immobilier. Claire. Je suis né dedans. Chapeau, c'est beau. Clément, alors, raconte-nous effectivement ton parcours, rapidement, pour qu'on puisse voir effectivement d'où tu viens et comment tu es venu porter la brique conseiller influent. Bien sûr, très, très, très rapidement. Moi, je n'ai pas du tout fait d'études dans le marketing. Je me suis passionné en autodidacte dans mon coin. Et très rapidement, j'ai lâché mon BTS pour me mettre à 200% dans le marketing. Au fur et à mesure, en fait, j'avais un cercle. Un peu plus fort, Clément. J'ai l'impression qu'on demande est-ce que tu parles un peu plus fort. Ça sort du chat. Pas de souci, je vais parler plus fort. J'avais du coup un cercle d'agents immobiliers autour de moi. Et du coup, la première étape a été de vendre mes services auprès de ces personnes. Et du coup, j'ai commencé à découvrir ce monde de l'immobilier. Donc, tenant, aboutissant, qu'est-ce qu'ils cherchaient, etc. Et j'ai creusé et j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'acteurs dédiés à ce domaine-là dans le marketing. C'était que des agents généralistes qui vendaient des services, enfin qui essayaient, mais qui ne comprenaient pas forcément la profession avec son propre langage, etc. Donc, j'ai vraiment creusé cette partie-là. J'ai travaillé pour tout type de professionnels de l'immobilier ces 5-6 dernières années, conseiller en gestion de patrimoine, chasseur d'appartements, agence immobilière, start-up immobilière. Ça m'a permis d'avoir une vision globale de tout ça. Et principalement, pour la génération de prospects, c'est vraiment notre spécialité aujourd'hui. Et du coup, de fil en aiguille, j'accompagnais des clients. Il est magnifique ton pull, Cédric. J'avais une frustration qui était que je ne pouvais pas accompagner assez de personnes selon moi. Et d'où est venue l'idée du club privé, de me dire, faut que je trouve un produit hybride qui puisse aider un maximum de personnes et qu'on puisse délivrer un maximum l'information. Oui. De ça, je suis parti du fait que je suis très jeune et que je n'allais pas être pris au sérieux en toute franchise. Hein. Et du coup, je me suis épaulé auprès de Cédric. Il me fallait un agent immobilier à mes côtés pour, de un, avoir vraiment la vision terrain sans cesse à côté de moi. Et en plus de ça, d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est dans le métier depuis assez longtemps. Donc, c'est pour ça que cette association s'est faite. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est les plus heureux dans cette association qui est pour moi une de mes plus grandes réussites entrepreneuriales pour le moment. Ah bah, c'est le début, non ? C'est une belle complémentarité. C'est vrai que si on réussissait à chaque fois aussi bien, c'est superbe. En tout cas, un très beau démarrage. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et savoir effectivement de quoi on parle ? Bien sûr. Est-ce qu'on est mis en place ? Exactement. Allons-y. Bien sûr. Alors. Clément, tu démarres ? Ouais, bien sûr. Alors, le club privé conseiller influent, c'est tout simplement une formation qui te permet de maîtriser le digital dans ton activité de conseiller immobilier.
De ouais. A à Z, on va t'expliquer vraiment très facilement. On a un peu vulgarisé le marketing parce qu'en soi, tout le monde utilise du langage un peu compliqué, mais en soi, on peut l'utiliser très simplement et tout le monde est en capacité de le mettre en place. Ah, on me dit, Clément, alors ouais, j'en je parle plus fort, je vais parler plus fort. On me dit du coup, donc on forme vraiment de A à Z. On a des personnes de 60, 65 ans dans le club privé parce qu'on a su simplifier les processus, on a su simplifier et rendre accessible le marketing. Je pars toujours du principe que quand on n'est pas capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est qu'on ne l'a tout simplement pas compris. Et aujourd'hui, je pense qu'on a parfaitement compris notre domaine et qu'on a su le transmettre correctement à notre audience. Et aujourd'hui, voilà, on forme sur des piliers très simples. On a conscience des enjeux de ce métier. De un, que le marketing n'est pas le métier de l'agent immobilier. De deux, que son emploi du temps est très chargé. Et on a essayé de caler le marketing dans tout ça en l'amenant facilement et en lui donnant toutes les briques pour que ça lui prenne le moins de temps possible à mettre en place. Très clair. Et donc, alors, mais oui, mais alors, donc ça, c'est le début, ça, c'est le constat, très bien. Donc, vous avez décidé de monter des formations donc pour les agents immobiliers. Donc, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'accompagner 350 agents immobiliers en même temps? Comment ça marche concrètement? Vous avez des vidéos, vous avez mis en place un CRM, j'imagine, pour suivre et accompagner vos formations, toutes les personnes qui se forment. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on a une plateforme de formation ouais. Où les personnes, dès qu'elles nous rejoignent, ont accès à plus d'une centaine d'heures de contenu déjà tourné. En plus de ça, elles ont un support par mail qui leur est dédié. Donc, on a vraiment une personne à plein temps qui est là pour les épauler au quotidien. Et en plus de ça, on a un groupe Facebook sur lequel on échange quotidiennement et sur lequel on anime un live par mois avec Cédric qui dure entre 1h30 et 2h30. Donc, en fait, ce qui fait qu'on arrive à accompagner autant de personnes, c'est vraiment que on a réussi à tourner les vidéos d'un côté et de l'autre, on est vraiment toute l'équipe dédiée vraiment pour nos membres. On est 6 personnes à plein temps chez Conseiller Influent et dédiée pour nos membres. Une petite chose, désolé, excuse-moi de te couper, Clément. Peut-être que c'est les AirPods. J'ai l'impression que Laura nous suggère que les AirPods ne seraient pas une bonne solution pour parler. Ouais, mais en direct, peut-être Clément sur ton PC. Ouais. On va tester voir si ça marche mieux. Ouais, c'est sans doute ça. Il y a une bonne proposition de Laura. Non, on est en direct. Hein, on va trouver des solutions en direct. Peut-être que c'est les AirPods qui posent problème. C'est possible. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit mieux. Non, Patrick dit non. Nicole dit non. Laura, est-ce qu'on entend mieux Laura? Laura, ne le dit. Hein, Laura, elle est toujours là. Hein. Non, c'est pire. Finalement, les AirPods, c'était pas mal. Hein. Mais... Bon, allez, remets les AirPods, Clément. On va continuer comme ça. Laura nous confirme, ça marche. Tu vas parler un peu plus fort. Donc le constat en fait qu'on a fait, Thibaut, c'est que on s'est rendu compte que les professionnels de l'immobilier étaient très en retard par rapport à la question du digital et ce qu'on a vu arriver, si tu veux, bon bah déjà avec mon agence, hein, moi, avant de rencontrer Clément, j'avais déjà à peu près 3000 fans sur la page de l'agence de Villepreux, j'avais déjà commencé à me mettre au format vidéo. Oui. et ça avait des résultats conséquents parce que je vais écurer un bon nombre d'agents immobiliers et de conseillers immobiliers, mais pendant à peu près un an, mes conseillers n'ont plus du tout fait de prospection physique. Pourquoi? Parce que justement, on a voulu tester réellement si il y avait des retours sur le digital. C'est sûr que si tu continues à mettre des papiers dans les boîtes aux lettres, tu as toujours du mal à savoir à partir d'où vient ton prospect. Donc là, c'est simple, on a fait blackout sur la prospection physique. Ça a été un pari osé, bien évidemment, on était prêt. On fonctionne plutôt en mode startup, en mode agile. Hein, c'est pas le Titanic qui doit éviter l'iceberg. Donc on était prêt, si on voyait au bout d'un mois que ça marchait pas, à redresser tout de suite la barre. Bien sûr. Et on s'est rendu compte que les résultats étaient toujours là, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ainsi de suite. Et au contraire, ça devenait, on sentait un petit peu quelque chose se gangréner au sein de la communauté de l'agence de Villepreux, parce qu'on a fini par fédérer les gens comme une espèce de secte où les gens disaient « t'as vu l'agence de Villepreux, sa dernière publication, ce qu'ils ont fait, le nouveau jeu concours, le machin ». Et ça a commencé comme ça à devenir de plus en plus important. Donc, ce que j'ai envie de dire quand même aujourd'hui, parce que tu disais tout à l'heure d'arrêter les méthodes de prospection qui sont traditionnelles, dites traditionnelles chez les agents immobiliers. Et nous, avec Clément, c'est une chose auquel on est clair, c'est que il faut absolument pas
arrêter les prospections traditionnelles. Ça n'est pas quelque chose à faire et qui est pérenne pour votre entreprise. C'est un canal supplémentaire. Si tu veux, tu as un canal tout d'un coup qui s'est ouvert. Ouais. Et en même temps, si tu veux, ce canal qui est en train de prendre de l'importance, qui s'élargit, oui, peut-être à un moment donné va devenir plus large que le canal de prospection traditionnelle. Et on le voit aujourd'hui, on est très embêté dans diverses prospections parce que c'est très compliqué de faire de la pige. C'est parce que les gens sont sans cesse harcelés et puis ils commencent à avoir des réglementations de plus en plus rudes. Oui. On peut plus faire trop de prospections flyer parce que pareil, à partir de 2021, on a des prospections. Voilà. Donc là, on a un canal qui s'ouvre. Il faut commencer à acheter un coup d'œil sérieusement dedans, voire même mettre les deux pieds dans le plat et avancer. Alors ensuite, après, alors nous, qu'est-ce qu'on a créé réellement? Qu'est-ce qui va permettre à un conseiller d'évoluer grâce au digital? Parce que c'est vrai que ce qu'on a remarqué avec Clément, c'est que il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui veulent faire du digital, des réseaux sociaux et compagnie, mais on trouve qu'ils s'y prennent pas de la bonne manière. Des fois, ils y vont, ils font une action, une publication et ils pensent qu'ils vont avoir un retour. C'est comme si tu te disais, je vais mettre un flyer une fois dans la boîte aux lettres des gens et puis je vais attendre pendant un an, voir si on me rappelle. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut avoir derrière une stratégie marketing qui soit claire. Et donc, c'est justement cette complémentarité qu'on a eue avec Clément qui, lui, avait un esprit stratégique très structuré. Le marketing est très bon dans la partie design, publication et tout ça. Et puis moi, j'étais plus la partie terrain, lui expliquer comment réfléchir les gens et quels étaient les besoins de l'avatar. Et de là, on a créé un système, si tu veux, avec une structure claire pour créer des publications, pour en fait générer un personal branding. Et une des erreurs d'ailleurs que font les conseillers immobiliers sur le digital, en fait, c'est de croire que un réseau social, une chaîne YouTube, ce genre de choses, c'est un catalogue. Ça n'est pas un catalogue de biens immobiliers. Tout ce qui est le digital, ça va nous permettre d'amplifier, comme je te le disais tout à l'heure, la partie branding, donc son personal branding, le fait que on va plaire aux gens, on va asseoir notre notoriété sur le secteur et on va apparaître aux yeux des gens comme une figure d'autorité. Parce que à partir du moment où tu commences à délivrer, à avoir une stratégie de contenu, oui, eh bien, les gens estiment que tu es quelqu'un qui sait, tu es un sachant. Donc, à partir de ce moment-là, s'il y a des conseils à les demander, s'il y a quelqu'un avec qui aller travailler, eh bien, ça va être toi. Et c'est exactement la même stratégie que moi, j'ai utilisée auprès des conseillers immobiliers en diffusant des conseils. Et au fur et à mesure, les gens se sont dit, c'est une personne qui a l'expertise. C'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville, voilà. C'est le fameux sujet. Voilà, voilà, pour les conseillers immobiliers, c'est ça. L'objectif, c'est d'avoir cette notoriété-là au point d'accéder à un statut élevé et reconnu, quelqu'un de reconnu. C'est le but, de toute façon, que je cherche dans tous les commerces. On est clair là-dessus. Donc, l'objectif, c'est d'être localement reconnu, d'être influent, d'être un peu le maire de sa ville. Donc, ça passe par des outils, des méthodes. C'est du personal branding. Alors, ce que j'ai lu effectivement sur votre site, ce qui m'a intrigué, en même temps, c'est ce qui se passe. Hein. D'où le pull, effectivement, c'est d'être différent. Et vous avez une présentation qui le montre, d'ailleurs. On va la diffuser, effectivement, et la passer en revue. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a encore des places à prendre sur le digital, qu'aujourd'hui, il y a encore peu de monde. C'est encore une chance, il y a encore une opportunité de le faire. Et ça risque de ne pas être le cas dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans parce que voilà, il y a encore des places à prendre. C'est encore possible et ça risque de bouger. Ça, c'est intéressant. J'aimerais qu'on le creuse un peu. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour le faire et il faut vraiment le faire maintenant? Ouais, aujourd'hui, on est encore au tout début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent on est en retard, c'est trop tard, etc. Certes, le meilleur moment de s'y mettre, c'était hier ou aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de place. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur chaque secteur, il y a très peu de conseillers qui sont à fond sur le digital, qui sont vraiment différents de par leur communication, etc. Et aujourd'hui, on le remarque directement. Dès qu'un de nos membres utilise correctement les stratégies sur un secteur, en quelques mois, ça devient une personne référente dans les conseillers du secteur. Alors qu'il y a des agences qui sont là depuis 20, 25 ans, il y a plein d'agents de plein de réseaux. Et pourtant, c'est cette personne qui se différencie en quelques mois, alors qu'elle n'a pas forcément plus qu'un autre conseiller. Elle a simplement mis en avant son authenticité, utilisé un bon personal branding et les bonnes stratégies. Et en quelques mois, elle a pris le marché. Donc, si c'est encore possible aujourd'hui, ça veut dire que vraiment, il y a encore une place énorme. On a l'impression que ça se démocratise très rapidement.
parce qu'en fait, on est toujours dans un peu le même écosystème. On suit les mêmes personnes sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qui sont sur le digital, etc. Oui. Et on a l'impression que c'est extrêmement démocratisé, mais ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, c'est une minorité des conseillers sur le marché francophone qui utilisent des stratégies correctes sur le digital, parce que sur le digital, il y en a beaucoup, mais à 99%, c'est des gens qui travaillent dans le vide sur le digital. Comme l'a dit Cédric, c'est des personnes qui ont des catalogues vivants. Ils s'amusent simplement à diffuser leurs biens immobiliers en vente sur leur réseau. Et voilà. En soi, ça n'apporte pas de valeur. Ça, on le voit beaucoup. Ça, aujourd'hui, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, hein, c'est qu'effectivement, on diffuse des biens. Les biens sont diffusés. Alors, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donne-nous quelques conseils sur le sujet pour qu'on puisse comprendre un peu mieux ce dont tu parles. Bien sûr, très bien. En fait, c'est très simple. Les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment, ça permet vraiment de se positionner en tant qu'offreur. Ça nous permet vraiment d'avoir cette approche différente. Et du coup, moi, j'ai une phrase qui est très simple parce que j'aime bien simplifier tout ça. Je me pose toujours la question quand je poste sur les réseaux sociaux, est-ce que ce poste va apporter de la valeur ou non à mon audience? Si la réponse est non, je ne le publie pas. Poster des biens immobiliers en vente, est-ce que ça apporte de la valeur ou non? Globalement, la réponse est non. C'est-à-dire que ça va intéresser une minorité de personnes, mais globalement, les gens vont passer à côté de ça parce que c'est une minorité de l'audience qui va être intéressée par ça. Donc, il faut vraiment avoir déjà ce rapport, cette vision d'apporter de la valeur, d'apporter de l'information, parce que les conseillers ont l'impression de ne pas avoir d'informations à transmettre. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont en connaissance, les propriétaires l'ont également, mais c'est totalement faux. Un propriétaire ne sait pas forcément les étapes d'une vente, la propriétaire ne sait pas forcément comment vendre de la meilleure façon, les DPE, c'est peut-être abstrait pour lui, et tout ça, il faut vraiment que le conseiller se rende compte qu'il a un vrai savoir et que diffuser cette information, c'est apporter de la valeur auprès de son audience. Et ça, tu vois, c'est un premier tip que je peux te donner. Alors, premier tip, parce que moi, c'est ce que je vois constamment sur les réseaux sociaux, les agents immobiliers que je connais, ils diffusent les biens, uniquement les biens. Et donc, ton conseil, c'est de dire, écoutez, c'est pas ça qu'il faut faire pour créer votre personal branding. En tout cas, c'est pas que ça. C'est ça, tout à fait. Claire. Ça, après, tu peux avoir vraiment une étape. Un autre point qui est extrêmement important, c'est de créer un écosystème. C'est-à-dire que l'avantage que tu as avec le digital, c'est que tu amènes les gens, tu amènes le trafic à un endroit que tu veux, sur la route que tu veux. Et une fois que tu as amené ce trafic sur la route que tu veux, eh bien, tu lui fais prendre les sorties que tu veux et le chemin que tu veux. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est de là où on va capter les leads et on va pouvoir les qualifier, les convertir, d'accord? Et j'ajouterais donc que dans cette partie écosystème où on va utiliser un auto-répondeur, pour que si des personnes dans le chat ne savent pas ce que c'est, qu'ils n'hésitent pas à poser la question, on va vous répondre. Oui. L'idée de tout ça, en fait, c'est aussi de quand tu amènes du contenu, ce que disait tout à l'heure Clément, c'est d'avoir du contenu généralement qui est non périssable. Pourquoi? Parce que ton contenu va pouvoir travailler pour toi dans le temps. Et je vais te donner un autre exemple qui est celui de YouTube. YouTube, la grande particularité de YouTube, c'est que quand tu partages du contenu, eh bien, ils travaillent pour toi, ils prospectent pour toi pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, voire même pendant plusieurs dizaines d'années. Et je vois, moi, j'ai mis des vidéos en ligne. Et je pense tout à l'heure, Clément parlait des diagnostics. J'ai fait une série de vidéos sur qu'est-ce que le DPE, qu'est-ce que la loi Carès, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et j'ai des personnes qui me contactent d'un peu partout, justement par rapport à ça. Donc, tu te rends compte que ça prospecte vraiment en permanence, même plusieurs mois après avoir fait la vidéo. Donc, Christelle qui nous met des points d'interrogation peut-être par rapport à cette question d'autorépondeur. Donc, l'objectif… Ouais, l'objectif, c'est tout simplement de mettre en place un système qui permet de capter les leads, de capter quoi? La data. La data, ce qui est véritablement l'or noir d'aujourd'hui et de demain. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va emmener les gens vers un formulaire pour obtenir une information complémentaire. Par exemple, pour qualifier les leads qui seraient éventuellement vendeurs d'un bien immobilier, on va leur offrir un guide de quelques pages qu'on a créé, comme quoi, eh bien, ils ont la possibilité. Ah, tu voulais peut-être en parler, je suis en train de faire, Clément, le. Non, mais c'est de bien. De spoiler la suite. Au contraire, tu l'introduis, on va pouvoir l'approfondir par la suite. Bien sûr. Super, génial. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est donc d'avoir ce formulaire, enfin, de ce guide qui va attirer les prospects qui sont vendeurs. De là, ils vont s'inscrire pour recevoir le guide. Et à partir de ça, eh bien, on va avoir leurs coordonnées mail, leur téléphone. Et ce qu'on fait à l'agence, c'est qu'à chaque fois qu'une personne télécharge le guide, eh bien, on l'appelle pour savoir si l'expérience s'est bien passée déjà dans un premier temps, si ils ont bien reçu le guide et compagnie. Et on va aller travailler après avec
soit des appels, soit des campagnes de mail. Et là, les campagnes de mail, elles sont vraiment tournées d'une manière pour que, si tu veux, bah, les gens, ils aient le désir par la suite de travailler avec nous. Ils rentrent vraiment dans la base, dans le cœur de notre écosystème, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet autorépondeur, c'est vraiment le cœur de l'écosystème. Le fait de séduire des gens en permanence sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ça, c'est bien, mais le but, c'est d'avoir une interaction avec eux. Tu vois, là où les gens disent que le digital, ça déshumanise, eh bien oui, c'est qu'ils ont peut-être pas compris en fait comment il fallait après exploiter les données et la manière à laquelle on va travailler avec ces gens-là. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de les amener dans l'écosystème. Le cœur de l'écosystème, c'est cet autorépondeur. Et à partir de là, on a une data qu'on va réussir à qualifier, à segmenter. Et je te prends un exemple très très simple d'un mail que j'ai envoyé à Clément, qui a pu le partager lors d'un webinaire récemment. Une dame qui a téléchargé mon guide et elle m'envoie un mail en me disant, voilà, Cédric, je voulais vous dire que j'avais été absolument conquise par le guide que vous avez créé et la série de mails que je viens de recevoir, parce que derrière, on leur envoie un mail où on leur explique comment on est sur au niveau de la satisfaction client, on présente l'équipe, on fait vraiment du personal branding à fond. Et donc, ces personnes-là, derrière, elles n'ont qu'une seule envie, elles ont envie de travailler avec nous. Et là, c'est là où est la grosse différence entre un agent immobilier qui n'exploite pas le digital et un conseiller immobilier qui exploite le digital. Cédric, vas-y avec ton micro. Alors, c'est Pouget, le nom, je ne sais pas, mais tu dois avoir un souci parce que, visiblement, le reste de la Terre m'entend bien. Alors, Clément, tu parles de stratégie de contenu, effectivement, c'est très important. Et de créer de la valeur auprès des clients, effectivement, grâce au personal branding. Très clair. Tiens, Clément, tu as une question d'ailleurs, Nicole. Est-ce que c'est un chatbox ? Alors, un chatbox. Est-ce que tu veux qu'on finisse sur l'histoire du personal branding et que je partage ma présentation ? Comme ça, oui. On peut passer au système de génération de prospects. Comme ça, on aura plié le premier sujet. On va tout vous dire. Les points différenciants, c'est du coup d'apporter de la valeur. Mais en plus de ça, pour aller encore plus loin dans le processus, c'est d'avoir une image de marque forte. C'est d'avoir quelque chose qui permet de se différencier. Ah, Jacques qui nous dit que Clément a un souci de son. Bah, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Là, je parle assez fort. Je pense qu'on a une solution à ça. Si on pousse un peu le son sur son ordinateur, normalement, on y arrive. Normalement. L'autre solution, c'est de coller l'oreille sur l'ordinateur. Jacques, il faut coller l'oreille. Okay. Ah, Dominique, monte le micro. Il y a des propositions là. Super. On va y arriver. On va y arriver un peu mieux. Ouais, on va y arriver. Bon, mais désolé, petit souci. Donc, du coup, je peux partager ma présentation, Thibaut ? Ah, c'est parti. Allons-y. Et au besoin, on répétera avec Clément. On passera sur les. On va parler moins fort avec Thibaut, comme ça, on va se mettre au même niveau de son pour que tout le monde ait une solution, effectivement. On fait ça. Okay. C'est parti. Donc, là, c'était simplement pour contextualiser par rapport au personal branding. C'est sûrement le deuxième élément le plus important dans la présentation parce que, en fait, pour avoir un impact fort sur les réseaux sociaux, il faut justement avoir un élément, une image de marque hyper forte. Et le personal branding, j'ai simplement mis une définition parce que c'est pas forcément donné. Enfin, c'est une définition qui. Enfin, le personal branding, beaucoup de personnes me disent qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est tout simplement une pratique qui consiste à promouvoir votre image, que ce soit votre image de vous directement ou d'une structure. Et cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous êtes votre propre produit. J'arrête pas de le répéter. Et ça, une fois qu'on arrive à l'imprimer, c'est quelque chose qui permet d'aller très vite par la suite. Aujourd'hui, quand vous allez en clientèle ou quoi que ce soit, quand vous essayez de prendre un mandat, votre client ne signe pas votre mandat. Il signe parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il a apprécié votre démarche, parce qu'il a forcément apprécié ce que vous faites pour lui. Et justement, il faut vraiment avoir en tête que votre client, il vous achète vous. Il n'achète pas votre papier, il n'achète pas ce que vous allez lui faire. Il achète vraiment ce que vous lui apportez, de la confiance, peut-être de l'authenticité. Il se reconnaît dans ce que vous êtes, etc. Et ça, c'est le premier point du personal branding, c'est soyez authentique sur les réseaux. Mettez-vous en avant parce que personne ne pourra vous prendre votre authenticité, personne ne pourra vous prendre qui vous êtes. Et si vous l'exploitez correctement, vous allez attirer à vous des personnes qui vous correspondent. Donc, si on prend l'exemple d'une agence immobilière,
Parce que justement, les gens ont du mal à dissocier le personal branding d'une personne et d'une agence immobilière. Et l'exemple, il est très simple. C'est par exemple, Cédric a le personal branding de son agence immobilière. Donc, c'est les couleurs de son agence, c'est la devanture de son agence, c'est les stratégies qu'il utilise, c'est les relances, etc. Et ensuite, il y a le personal de Cédric qui vient se mettre en supplément de tout ça et qui justement apporte l'image de Cédric en plus de du personal branding de l'agence. Et j'ai un exemple à vous partager par rapport à ça. C'est une agence américaine que j'adore prendre en exemple qui ont un personal branding assez fort, c'est The Purple Writer. Et en fait, ils sont tout basés sur le violet. Il a même été jusqu'à faire un covering sur sa voiture. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne, c'est un agent qui est connu et reconnu. Dès qu'on voit sa voiture, on sait que c'est lui parce qu'il a un élément différenciant qui est fort que personne n'a et on ne peut pas passer à côté de cette personne. On va forcément être interloqué par ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment essayer de se démarquer par quelque chose d'unique. Et quelque chose d'unique, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être une façon de parler, ça peut être un style vestimentaire, ça peut être une posture, ça peut être un dialogue, ça peut être un discours. Le branding, un élément différenciant, peut se retrouver dans plein de choses. Thibaut, dis-moi si tu veux reprendre la main au travers d'une question ou quoi, parce que j'ai tendance à partir en monologue, un peu comme Cédric. Non, mais c'est passionnant. Enfin, je veux dire, pas du tout. Tu es là pour. Enfin, c'est plutôt toi la star aujourd'hui, et donc on a besoin d'avoir tes lumières. Et non, c'est parfait. En tout cas, le personal branding, c'est très clair. L'agence doit se démarquer de la concurrence. Il y a bien un sujet qui est connu et qui est reconnu, c'est celui-ci. Et aujourd'hui, on doit le faire aussi sur le digital. Ça a été le cas au travers de l'agence et de la vitrine. Ça, pour le coup, on y connaît un petit peu quelque chose chez Vitrine Média. Et il faut absolument le faire dans le domaine du digital aujourd'hui aussi. Voilà, très clair. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir ces deux notions, rien que ça, c'est les deux seules choses qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est deux, un, avoir apporté de la valeur constamment. Et deux, c'est avoir un personal branding fort. Si on couple ces deux-là, c'est terminé, on arrive tranquillement à se différencier mois après mois. Je tenais à rappeler juste un petit truc. Le digital n'est pas magique. Le digital est une opportunité incroyable, certes, mais ça demande du travail, ça demande du temps. Et je tenais à le rappeler pour tous ces vendeurs qu'on voit sur Internet, etc., qui vous vendent des mandats en deux semaines ou tout ce que vous voulez. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de travail à y consacrer. Certes, c'est facile. Enfin, certes, on peut avoir de gros résultats, mais ce n'est pas facile pour autant. Donc ça, c'est vraiment le petit point qui est important à avoir en tête. Et de deux, prenez votre temps dans votre mise en place digitale. Le digital est là aujourd'hui, mais il ne va pas disparaître. Il va continuer à croître, il va continuer à être de plus en plus important. Donc voyez plutôt ça comme un marathon que comme un sprint. Faites une course de fond et vous allez voir que pas à pas, vous allez construire des bases solides et vous allez au fur et à mesure avancer dans votre présence digitale. Et ça, je tenais vraiment à le rappeler parce que il y en a qui se font des fausses idées derrière tout ça. Il y a du travail à y consacrer et je ne vais pas vous dire le contraire. Aujourd'hui, nos membres, ils consacrent énormément de temps et les gens qui ont des résultats, ils ont pris, ils ont consacré pendant des mois un nombre d'heures conséquent par jour et c'est ce qui a fait leur réussite. Alors, il y a quelques questions et quelques remarques sur le référencement, parce que c'est bien d'avoir du contenu, c'est bien d'être, a priori, en tout cas, de proposer quelque chose de nouveau, avoir un personal branding qui permet de se démarquer, mais encore faut-il être référencé. Alors, comment fait-on pour être référencé, être visible en quelque sorte? Alors, ça va se faire de différentes façons. Référencé, on peut être aujourd'hui référencé sur à peu près tous les supports. Tout le monde a en tête Google quand on parle de référencement, mais oui, on n'est pas référencé que sur Google. Je prends l'exemple premier de l'agence de Villepreux. Aujourd'hui, YouTube appartient à Google, comme on le sait, et tous les réseaux sociaux mettent de plus en plus en avant le format vidéo. Donc, la suite logique de YouTube, c'est que YouTube soit mise en avant beaucoup sur Google sur les prochaines années. Donc, du coup, l'idée, c'est que si déjà dans un premier temps, donc là, c'est un tip que je vous donne, si vous faites des vidéos YouTube en répondant aux problématiques des propriétaires sur vos secteurs, donc je donne un exemple concret, qu'est-ce qu'un vendeur, enfin, les problématiques d'un vendeur, c'est vendre au meilleur prix, vendre dans les meilleures conditions, etc. Derrière ça se cachent des problématiques. Si on répond à ces problématiques en vidéo, si on travaille bien ces vidéos, eh bien, quand une personne va taper sa problématique sur Google sur le secteur, votre vidéo YouTube va potentiellement sortir dans la recherche. Donc ça, c'est un premier tips. Ensuite, le référencement sur les autres réseaux. Le référencement, en fait, c'est plus un format ou du contenu qui va se rendre visible par sa qualité. Ce n'est pas forcément une personne qui va taper votre nom, prénom sur Internet. C'est plus un contenu de qualité qui va être très largement diffusé, très largement apprécié et qui va, votre support va croître très naturellement. Je prends l'exemple de notre compte Instagram Conseiller Influent. Aujourd'hui, on a plus de 4000 abonnés en stratégie totalement gratuite. Ça fait plus d'un an qu'on apporte de la valeur
Et simplement en apportant de la valeur, en répondant aux problématiques, eh bien, en fait, les personnes, au fur et à mesure, viennent nous voir. Et c'est comme ça qu'on construit une audience, c'est comme ça qu'on fidélise, et c'est comme ça que vous allez pouvoir générer des prospects et par la suite transformer ça en mandat. Je ne sais pas si c'est clair. Dis-moi si tu veux que j'affine un peu plus ma réponse. Moi, je trouve que c'est très clair. On se rend compte qu'on n'achète pas sa popularité, ou en tout cas, c'est pas en tout cas le sujet ici, par la qualité, par la pertinence et par le contenu voilà, qu'on va créer. C'est comme ça qu'on va se faire remarquer et qu'on va être le maire de son quartier, de sa ville, de son service, en tout cas du lieu où on est influent. C'est ça la clé aujourd'hui, et ça permet, et voilà, il faut du temps, il faut accepter que ça prenne un peu de temps, mais en tout cas ça apportera des fruits dans le temps. Ça, c'est vraiment important, et moi c'est très clair pour moi, très clair. Okay. Poursuivons sur les méthodes et sur les tips. Est-ce qu'on rentre dans la vraie stratégie pour générer? Mais on rentre, parce que moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était très clair et que vous êtes rentré dedans. Parce qu'en fait, souvent, on reste à la porte, on nous dit, voilà, on a une méthode, mais on ne sait jamais comment ça marche. Si c'était un jeu de mots, Thibaut, c'était petit. Alors, non, rentrant, je veux rentrer dans le détail et je veux qu'on donne la clé. Okay, parce que de toute façon, ils seront ravis de venir se former. Voilà, il faut aller au bout, il faut aller au bout, bien sûr. Allez, je lance direct la slide. Je vais tout simplement vous présenter la stratégie marketing indispensable pour générer des prospects en ligne. C'est la stratégie qu'on enseigne au quotidien. C'est la stratégie que tous nos conseillers dans Conseiller Influent utilisent. C'est la stratégie que je mets en place pour mes clients. Donc voilà, c'est vraiment le cœur. Cette stratégie-là, elle est propre à toute profession, c'est-à-dire que ce tunnel-là, ce n'est pas simplement dans l'immobilier, c'est une stratégie qu'on peut adapter à tout domaine, mais bien sûr, on l'a personnalisée à l'immobilier. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? Donc, bien sûr, je vais expliquer ça, n'ayez pas peur de mon magnifique entonnoir. En fait, tout simplement, on a la première base qui est le trafic. Il nous faut, pour générer des prospects, il nous faut du trafic. Donc, le trafic, on l'obtient de différentes façons. Ce trafic, pour qu'on puisse en faire quelque chose, il faut capturer ce trafic. Donc, il faut réussir à obtenir la data de ce trafic. Ensuite, générer des prospects en soi, c'est assez facile. Le plus dur, c'est de transformer ce prospect en client. Et là, il y a toute la phase que Cédric a parlé tout à l'heure, de nourrir le prospect, de le nourrir d'informations, de rentrer dans l'inconscient de cette personne. Et dès que cette personne aura un projet immobilier, ben, elle pensera directement, en l'occurrence, par exemple, à Cédric, parce que ben, c'est la personne qui lui a créé du contenu, qui lui a envoyé des emails gratuitement, qui lui a fait des vidéos, sans jamais rien lui demander. Et cette personne, ben, au lieu d'aller s'enterrer, chercher un agent au fond d'une agence, ben, va directement prendre Cédric, qui est souriant, qui donne confiance, qui apporte de l'information. Enfin, moi, le premier, c'est ce que je ferais. Et du coup, on arrive à la quatrième étape qui s'appelle convertir. Je vais rentrer un peu plus en détail pour expliquer. La première étape, donc, c'est générer du trafic. Comment on génère du trafic dans l'immobilier? On est toujours sur cette notion d'apport de valeur. Aujourd'hui, apporter de la valeur à vos prospects, mais on va le faire plus subtilement pour capter la data. Je donne un exemple concret. J'ai donné les problématiques des vendeurs juste avant. C'est pas mon métier à proprement parler, donc ça, ayez vraiment en tête, vous connaissez vos clients, vous connaissez les problématiques clients et vous êtes au quotidien en relation sur le terrain avec vos clients et vous connaissez parfaitement les problématiques. En face de ces problématiques, vous avez des réponses, ok? Vous avez tous des réponses par rapport à ça et c'est super. Ben, ces réponses, vous allez les offrir. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de Cédric, on a créé un guide PDF qui donne les 10 meilleures astuces pour vendre son bien immobilier au meilleur prix. Ce guide-là, on le diffuse en publicité ou de façon organique. Donc, on va générer du trafic sur cette page. Okay, cette page-là, on va convertir, donc on va capturer la data. En fait, l'idée de la première étape, c'est d'avoir une offre irrésistible. Aujourd'hui, si vous connaissez, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes niché, vous vendez que des demeures de luxe qui ont telle caractéristique. Vous connaissez parfaitement la problématique de vos clients. La problématique, quand ils vendent, ça peut être « j'ai peur des curieux qui viennent visiter ma maison ». Eh bien, en l'occurrence, vous faites un book en leur expliquant comment ils peuvent vendre leur maison de façon discrète. C'est un exemple que je donne pour que vous puissiez imaginer ça. Et en fait, le propriétaire, il va être capté par ça parce que vous lui adressez directement un message et vous répondez à sa problématique. Donc ça, c'est l'offre irrésistible. Okay, cette offre irrésistible, la personne, donc on va créer une page qui est la deuxième étape. La deuxième étape, donc la personne arrive sur une page où elle retrouve ce qu'elle va retrouver dans le book et là, elle peut mettre ses informations pour télécharger ce guide où elle va trouver l'information. Donc là, on a capturé la data, on a capturé un prospect, on a généré des prospects. Ok, sauf que générer des prospects, comme je l'ai dit, ce n'est pas un client. Et derrière, il y a tout un travail qu'on appelle le follow-up. C'est tout simplement la partie relance. Cette partie relance,
Il faut encore avoir en tête cette partie apport de valeur. Donc, ça passe par des séquences d'emails automatisées. On va envoyer plusieurs emails à cette personne de façon, par exemple, toutes les semaines, il va recevoir un email de valeur. On va vraiment lui apporter de la valeur. On va lui apporter du contenu. On va se présenter dans ces emails. On va vraiment faire un cheminement normal pour qu'il puisse avoir connaissance de l'agent et en plus avoir de la valeur. En plus de ça, on va coupler ça par quelques petits SMS de valeur. Directement, dès que la personne télécharge le guide, on va l'appeler. Oui, bonjour, j'ai vu que vous avez téléchargé mon guide. Ben, écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et là, on se positionne vraiment en tant qu'offreur. Et à côté, on suit un petit tableau. C'est-à-dire que j'ai appelé telle personne, j'ai eu telle information. L'immobilier reste un travail de fond. Cette stratégie, elle est hyper intéressante. Mais derrière, il y a votre métier qui intervient. Votre métier, c'est un travail de fond. C'est un travail, je dépose l'oreille, j'entends les informations, etc. Et vous allez faire ça au téléphone. Oui, ben voilà, vous avez téléchargé mon guide. Super, n'hésitez pas si vous avez des questions. Non, c'était juste par curiosité. Ok, je raccroche. Je suis peut-être vendeur, je ne sais pas trop. Ok, bah, dites-moi plus, etc. Après, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Ça, c'est plus votre partie de découverte du client, etc. Mmh. Mais voilà, à vous, il faut les suivre, ces prospects. Et ensuite, le follow-up, on va le faire de plein de façons. On va, par exemple, envoyer tout simplement des publicités à ces personnes-là, pas pour leur demander quelque chose. Je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais on va payer pour qu'ils puissent voir des témoignages clients de vous. Et oui, parce qu'en fait, un prospect, pour qu'il puisse passer à l'action chez vous, il faut qu'il ait entre 7 à 13 points de contact avec ce que vous proposez. Et en fait, l'idée de proposer, de faire de la publicité juste en diffusant des témoignages, de faire des emails de valeur, d'envoyer des vidéos, eh bien en fait, la personne aura l'impression de vous voir partout. Elle aura l'impression qu'il n'y a que vous sur le secteur. Elle aura l'impression qu'il n'y a que vous qui a l'information. Et du coup, quand elle aura un projet immobilier, elle vous aura dans la tête et elle va forcément directement aller vers vous. Et la quatrième étape, qui est tout simplement la réservation d'estimation. On a des systèmes, en fait, dans chaque email ou dans d'autres systèmes, ils peuvent réserver une estimation très simplement. Et en fait, on va, par exemple, envoyer des campagnes de retargeting. Donc, c'est une campagne de publicité. Mais à partir d'un certain temps que le prospect est qualifié, on va lui proposer une estimation. Ce n'est pas direct, ce n'est pas du but en blanc. On l'a suivi pendant des semaines, pendant des mois. Et au bout de quelques mois, on décide que ces prospects sont assez chauds pour interagir directement avec une estimation. Et là, bam, on va faire une publicité avec des estimations. Et là, on a des coûts par estimation hyper intéressants. En plus des estimations qui arrivent directement après le téléchargement du book, en plus des estimations qui arrivent un peu partout dans les emails, etc. etc. Et c'est ce système que je viens de vous révéler en quelques minutes. Il n'y a pas de secret. C'est ce système qui génère des prospects à tous mes clients, à toutes les personnes conformes. Il n'y a pas de secret. Apportez de la valeur avec un système simple. Soyez authentique, soyez éthique et ça fonctionnera. Alors… Il y a des très bonnes questions, hein, c'est passionnant. En tout cas, j'ai compris la démonstration et tout de suite, il y a une question que j'ai trouvée très intéressante. Première question de Caroline, c'est est-ce qu'il n'y a pas des solutions clés en main? Parce qu'effectivement, on a plein de choses à faire et voilà, le temps est compté. Donc, c'est intéressant hein, cette question et il y en a d'autres derrière et on va commencer par la première. Est-ce qu'il y a des solutions clés en main où on peut se dire j'achète et tout ça, ça va être fait pour moi comme il faut? Alors, j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Il y a la première solution de déléguer cette partie, c'est-à-dire de payer quelqu'un pour qu'il puisse réaliser cette prestation pour vous. Et il y a la deuxième partie de vous former vous-même. Pourquoi je suis plus à même sur la deuxième partie dans un premier temps? Parce qu'en fait, déléguer un processus qu'on ne maîtrise pas, c'est compliqué. En fait, vous allez déléguer quelque chose, vous allez avoir du mal à l'expliquer, vous allez avoir du mal à comprendre ce que la personne va mettre en place, vous allez avoir du mal à expliquer et à analyser les chiffres parce que comment vous pouvez analyser des chiffres si vous-même, vous n'avez pas de notion de combien un prospect peut vous coûter, combien une estimation peut vous coûter, combien vous pouvez dépenser chaque mois. Et en fait, votre prestataire pourra vous dire tout et n'importe quoi, vous ne savez pas justement quelle est la vérité dans tout ça. Donc moi, ce que je recommande, même aux patrons d'agence, etc., et aujourd'hui, c'est ce que je dis quand j'ai des directeurs d'agence, des agents, etc., avant de déléguer, formez-vous. Aujourd'hui, j'ai des directeurs d'agence, il y en a beaucoup dans la formation, et en fait, je leur dis, formez-vous, et même si vous ne le faites pas, vous aurez compréhension de comment ça fonctionne, et vous pourrez le déléguer correctement à un prestataire en ayant l'œil où il faut, quand il faut, et en sachant quoi optimiser et quand optimiser. Et du coup, la deuxième partie, c'est la formation. Je vais mettre en avant Conseiller Influent. Mais en tout cas, aujourd'hui, chez Conseiller Influent, nos membres, on les forme à faire ça. Et justement, on leur donne des systèmes clés en main. C'est-à-dire que les pages qu'on voit qui permettent de télécharger le guide, elles sont données. Le book PDF, il est donné.
les séquences mail, ils sont donnés. Les publicités, elles sont données. Et à côté, bien sûr, il y a toute une partie création. Vous allez créer votre personal branding, on vous accompagne. Mais toute la partie chronophage de création, de design, etc., on vous le fournit. Et du coup, c'est justement l'hybride parfait. Enfin, je suis super content de l'hybride qu'on a créé aujourd'hui et qui permet justement à des personnes seules de mettre en place ce système sans dépenser trop d'argent parce qu'ils ont la maîtrise du budget, ils ont la maîtrise de ce qu'ils mettent en place et ils peuvent le faire correctement sans y aller trop rapidement non plus. Alors, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré le tips numéro 4 qui était « Avant de déléguer, formez-vous ». Je trouve que c'est passionnant pour l'appliquer partout dans l'entreprise et à tous les moments. Ça marche toujours parce qu'il y a des solutions qui existent. Mais c'est vrai qu'avant de déléguer et d'acheter une prestation, il vaut mieux la comprendre. Et ça, je ne peux que… je valide totalement cette approche, Clément. Merci beaucoup. Il y a plein de sociétés qui font ça. On en reparlera, mais c'est pas l'objet. Mais en tout cas, il y a une belle formation chez vous. Et moi, je conseille cette formation parce qu'il faut comprendre les choses avant de les déléguer. Bravo. Ça, c'est très intéressant. Alors, vous donnez les premiers documents, voilà. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est payant chez vous? C'est la partie formation, OK? La partie accès au CRM, c'est ça? Alors, en fait, ce qui est payant, ben, il y a l'accès au club privé. Qui est pas un abonnement, c'est un accès à vie, c'est-à-dire que vous payez, vous rejoignez le club privé, terminé, il n'y a pas de supplément, etc. Et nous, on vous accompagne sur les années à venir. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi. C'est que nous, on sera là dans 5 ans, on sera là dans 10 ans et vous aurez toujours du contenu à disposition. Vous aurez toujours l'information. Je prends l'exemple concret. Sur cette fin d'année, on va proposer un pack sur la stratégie 2021 et tous nos conseillers influents auront la vision pour mettre en place une bonne stratégie sur 2021. En plus de ça, oui, il y a des dépenses, bien sûr, dépenses en logiciel. Ça reste très minime parce que justement, on a été à l'essentiel et on savait comment ne pas embrouiller l'esprit du conseiller. Il y a deux logiciels, c'est très simple. Il y a System.io qui permet de créer des pages de capture, capturer des emails et envoyer des emails, terminé. Oui. Et deuxième logiciel, Canva, qui permet de faire des designs. Ça s'arrête à ça, ça. Juste avec ça, on peut être le roi du pétrole sur son secteur. C'est tout. Pas besoin de plus, pas besoin de tous les outils qu'on vous vend américains qui coûtent. Alors, combien ça coûte? Combien coûte la formation? Clément, juste peut-être, est-ce que tu pourrais mettre le lien dans les commentaires? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent en même temps pendant que tu parles. Mais et oui. On le remettra à différents moments dans les commentaires si ça te va. Le lien de la page de présentation. Il y a beaucoup de questions, effectivement. Oui. Clément, si tu veux rajouter quelque chose, il y a des questions précises, il y a beaucoup d'activités. Ça questionne, hein. Non, c'est vrai, ça passionne. Oui, Benjamin, c'est mieux de prendre un compte Canva Premium. Et pour le prix d'un Netflix par mois, voilà, c'est beaucoup mieux de travailler sur Canva et d'améliorer la qualité de tes visuels que regarder Netflix. On peut faire les deux aussi. Quel prix? Canva aujourd'hui, c'est indispensable pour un conseiller. Pour tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas Canva dans leur activité, je vous invite directement après ce live de directement télécharger Canva, qui est justement un indispensable, vraiment pour 9 euros. En plus, par exemple, dans la formation, nous, on vous fournit des templates, 12. C'est-à-dire qu'on a un designer qui travaille vraiment à plein temps et qui vous fournit des templates Canva pour que ça vous prenne encore très peu de temps en ayant des designs qui vous différencient. Normalement, j'ai mis le lien dans la description, dans les commentaires, comme ça pour celles et ceux qui sont curieux. Mais voilà, donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc 27 euros System.io, 9 euros Canva, c'est tout. Ensuite, il y a du matériel vidéo. On n'a pas parlé de la vidéo parce que c'est un format et c'est l'indispensable pour toutes celles et ceux qui ont peur de la vidéo et qui veulent se mettre au digital. Malheureusement, il va falloir s'y mettre parce que la vidéo est un incontournable, c'est un indispensable. Aujourd'hui, le seul format qui permet faire passer un message correctement avec de l'émotionnel, avec de l'authenticité, c'est le format vidéo. On ne peut pas se passer de ce format vidéo où on passe à côté de 90% des potentiels résultats qui vont se passer sur le digital. Donc, la vidéo est centrale. Donc, il y a un peu de matériel vidéo à acheter qui est dérivé. Et vous finissez aujourd'hui sur Netflix. Aujourd'hui, on a tous un appareil photo dans la poche. On a tous un appareil photo dans la poche, mais on ne sait pas s'en servir. Et inutile d'acheter un appareil photo ou quoi que ce soit, si vous en avez un et vous le maîtrisez, c'est très bien. Mais aujourd'hui, votre appareil photo peut vous permettre de filmer vos présentations de biens immobiliers, vous filmer vous-même et tout un tas d'autres choses avec simplement un stabilisateur de téléphone qui coûte une centaine d'euros, une bonne lumière blanche qui va vous coûter 50 euros et un micro qui va vous coûter 10, 20 euros. Et c'est terminé, vous avez le matériel suffisant pour faire de la bonne qualité et pour diffuser correctement, que ce soit des vidéos de présentation de biens immobiliers, des vidéos de conseils, des interviews ou quoi que ce soit, c'est tout, pas plus.
Très clair. Donc, de la vidéo. Alors, justement, je veux aujourd'hui, je suis agent immobilier, je suis cette émission et je veux être formé. Comment ça se passe? Je prends contact, il faut compter combien? Comment, il y a un prix quand même, pas gratuit. Si je veux être formé. Non, la gratuité, ça mène. Combien ça coûte? Non, mais c'est important. Oui, bien sûr. Non, ça coûte 1497 euros. Okay. C'est, en fait, 1497 euros, vous avez accès à toute la formation, à ces 9 modules de formation et ces centaines d'heures disponibles. Vous avez accès à une équipe de 6 personnes de passionnés et compétentes dans chaque domaine d'activité. Vous avez accès à un support mail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où on répond à toutes vos problématiques. Vous n'aurez jamais une question sans réponse. Ah, zut, pas entendu combien? 1497 euros. Et c'est une fois, ce n'est pas tous les mois. Hein. Merci Jean-Jean. Ah non, non, c'est une fois, c'est un paiement unique pour un accès. Exactement. À vie et terminé. Et en plus de ça, vous avez accès à une communauté. Le prix d'un seul loger par mois. Exactement, ça c'est vrai. C'est effectivement. Ça reste accessible. C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous rejoignez une communauté de personnes qui ont envie d'aller dans le même sens. Aujourd'hui, on a plus de 350 conseillers. Et en fait, sur le groupe Facebook, tout le monde se rassemble, des personnes se rencontrent sur le secteur pour s'aider ensemble. Et justement, vous êtes dans un écosystème où vous avez du mal à vous démotiver parce que vous voyez tous les résultats. Vous voyez des personnes qui sont là pour donner des réponses à vos questions. Et vous avez des personnes qui réussissent avec le digital. Donc, vous avez simplement envie d'aller dans ce sens-là et d'être épaulé. Donc, voilà, c'est vraiment un écosystème. C'est vraiment le Becherel digital. Aujourd'hui, on a vraiment cette vision de les personnes qui nous rejoignent n'ont pas besoin d'acheter une formation ailleurs parce qu'ils retrouvent tout ce qu'ils veulent dans la formation. Valentin, 1497 euros hors taxe, c'est hors taxe TTC, on est exonéré de TVA. Donc, c'est le passeport pour comprendre comment ça se passe pour avant de éventuellement passer par d'autres sociétés qui proposent hein, des prestations et il y en a beaucoup. C'est très clair. Moi, je valide et je conseille cette formation à tous nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour clôturer, puis surtout pour faire comprendre à ceux qui sont avec nous aujourd'hui que c'est indispensable aujourd'hui. On n'a plus vraiment le choix en 2021 pour faire l'économie de ça. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ça, c'est ce que tu reçois dans ta boîte mail quand le système il est en place. on a fait une étude on a relancé les pubs en décembre. On nous avait dit avec Clément, le mois de décembre, vous allez voir les pubs Facebook, c'est pas terrible. Et je me suis mis en scène en vidéo ici, dans cette pièce, en disant, je vous offre un guide et tout ça. Donc, une vidéo d'à peu près une minute où je dis aux gens, je vous offre un guide, téléchargez-le si vous habitez dans les Yvelines. Vous allez avoir accès à tous mes conseils. Et en même temps, si tu veux, dans notre tunnel d'acquisition, alors je rentre dans des mots compliqués, mais en fait, quand les gens remplissent ce formulaire, après, on leur demande s'ils veulent une estimation. Et figure-toi qu'en 11 jours, le 11 décembre, on avait 10 demandes d'estimation à l'agence. Et donc, ces demandes d'estimation, elles ont découlé sur des rendez-vous d'estimation. Et là, on arrive donc le 21 et on commence à avoir le premier mandat sur ces 10 estimations qui tombe et on sait qu'on a un autre mandat qui n'est même pas sur notre secteur, qui est à une vingtaine de kilomètres, qui va arriver dès le mois de janvier. Donc, pour les agents immobiliers, bien évidemment, quand ils entendent ça, ils se disent c'est juste fou, mais oui, c'est complètement possible. À partir du moment où on met bien en place sa structure et sa stratégie, on peut faire des choses vraiment formidables grâce à ce genre de système. Combien de temps il faut prévoir pour se former? Il faut consacrer combien de temps? Voilà. Parce que là, on a un peu de temps. On est le 21 décembre, donc il y a les fêtes de fin d'année, puis on va reprendre doucement. Enfin, on va reprendre à la vitesse que vous faites. Justement, on va partir sur ce sujet, c'est bon. Allons-y. Ouais, non, justement, parce que je ne veux surtout pas que les gens pensent qu'en nous rejoignant dans 2 semaines, ils ont un flux constant d'estimation. Les fausses promesses, je n'aime pas ça et j'aime bien remettre l'église au milieu du village très rapidement. Encore une fois, il y a du travail. Aujourd'hui, nos membres, déjà, il y a toute une partie. Les module 1, module 2, module 3, c'est les fondations. Il faut comprendre, vous arrivez dans un nouveau paradigme d'apport de valeur que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas forcément. Et justement, il faut le maîtriser, il faut le comprendre. Vous allez avoir pas mal de questions, on va être à disposition, mais vous allez avoir ce premier processus des premières semaines, etc. Aujourd'hui, nos membres ont leurs premiers résultats, on va dire, au bout de 2 à 3 mois. OK ? 2 à 3 mois. Ce qu'il faut avoir en tête, la première année, c'est une année de mise en place. Okay, la régularité, vous allez l'avoir au bout de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Mais les premiers mois, n'attendez pas d'étincelles. Vous allez avoir des résultats, mais ce ne sera pas hyper régulier. Vous allez essayer de comprendre, vous allez tâtonner, optimiser. Et encore une fois, il n'y a pas de fausses promesses, il y a du travail consacré.
C'est totalement faisable, c'est totalement envisageable. Et pour répondre directement à ta question, Thibaut, combien de temps il faut consacrer? Il n'y a pas un temps forcément défini, il faut simplement être régulier dans ce que vous faites. Et c'est le seul secret, c'est d'être régulier dans la mise en place pour ne pas perdre le fil de ce que vous faites. Et c'est simplement d'avancer comme ça. Le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est d'y consacrer 30 minutes, une heure par jour. C'est excellent, vous avez une régularité, vous allez pouvoir avancer vite. Mais déjà, si vous avez, je ne sais pas, vous y consacrez 3 heures par semaine, c'est déjà génial. Si vous êtes régulier chaque semaine, au fur et à mesure, c'est juste génial. Donc, je pense que ça répond à ta question, Thibaut. Et si tu veux... Oui. Cédric, rajouter quelque chose là-dessus, n'hésite pas. Oui, en fait, je pense que l'agent immobilier, il doit regarder ça comme une nouvelle manière de prospecter. Si hier, il prospectait à peu près 2 heures par jour, eh bien, il va commencer par prendre 10 minutes, 15 minutes de cette prospection pour la transférer vers cette nouvelle manière de travailler. Et il va commencer à regarder nos premières vidéos qui font 5, 10, 20 minutes. Et au fur et à mesure, il applique. Voilà comment est-ce qu'il faut voir la chose. C'est, tu vois, par exemple, pour devenir blogueur dans l'immobilier, il m'a fallu 2 ans. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. Je dis pas que pour les agents immobiliers, il va leur falloir 2 ans, vu que sur l'ensemble de nos conseillers, on remarque qu'en l'espace d'environ 3 mois, on a des résultats. Mais voilà, il faut penser à ce système de vase communicant. Ne changez pas les choses de manière brutale. Vous n'avez pas, voilà, exactement. Prenez le temps de commencer à sonder la chose, à mettre le pied dedans, et au fur et à mesure, eh bien, d'emmener de plus en plus de prospection vers ce système-là. Et à la fin, en fait, quand on a bien avancé sur le système, eh bien, on se rend compte qu'il nous faut plus que une dizaine, quinzaine de minutes par jour de travail sur le digital pour être performant et efficace et avoir d'excellents résultats. C'est très clair. Moi, je pense qu'on, enfin, on n'a pas le choix. Si on dit les choses, aujourd'hui, l'agent immobilier n'a pas le choix que d'être visible. Il y a combien de mandataires? Ce sont des vrais concurrents aujourd'hui, hein. Il y a les agences immobilières physiques avec un, voilà. Et puis, il y a beaucoup d'agents immobiliers, quels qu'ils soient, agents immobiliers avec des agences, des mandataires qui sont aussi sur ce marché, et c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Et donc, il est important d'être vraiment visible et on n'a pas le choix que de faire ce travail qui est un travail de fond, qui va prendre du temps, mais qui donnera des résultats dans le temps. Moi, je m'en félicite en tout cas. Oui. N'ayez pas peur du digital. Il va pas tuer tout ce que vous faites sur le terrain. Il vient vraiment en complémentarité. Ça va simplement vous permettre d'être davantage visible et de mettre en avant vos compétences. En fait, le digital, c'est quelque chose qui vous permet d'être davantage visible. Donc, si vous êtes bon, vous serez encore meilleur avec le digital parce que vous allez être plus largement diffusé. Vous allez pouvoir véhiculer un message à une plus large échelle. Et du coup, l'exemple de Cédric. Cédric est très bon dans son métier et très bon au quotidien. Le digital, c'est pas ça qui a fait sa réussite. Ça a été un véhicule qui l'a rendu plus visible et pour montrer au grand public ses compétences, son apport de valeur, etc. Mais le digital n'est pas votre ennemi, c'est vraiment votre allié qui vient en complément de votre activité. Voyez-le vraiment de la bonne façon. C'est très clair, me semble-t-il. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On a eu beaucoup de questions, c'était passionnant, beaucoup de choses. Il y a peut-être encore des dernières questions avant qu'on ne clôture. Après, oui, effectivement, la démarche, c'est de vous contacter pour aller plus loin, pour se former. Voilà, en tout cas, c'est une évidence et une nécessité, on le sait aujourd'hui, le digital et la présence. Également, Thibaut, je te coupe, au-delà du payant, on a beaucoup de gratuits, encore une fois, parce qu'on apporte de la valeur, on est le produit du produit, et c'est ce que je disais, c'est ce que je faisais en partageant nos supports, au-delà de notre formation, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux, sur Instagram, on donne des pépites publiques, gratuites, vous allez sur notre Instagram, et on a fait une publication par jour pendant 30 jours, sur notre chaîne YouTube, c'est la même chose, donc vraiment, il y a du contenu gratuit aussi à disposition, qui vous permettra de comprendre un peu plus sans forcément payer directement. Donc, il y a vraiment aussi une alternative si vous voulez commencer à mettre le pied dedans dans un premier temps. Mais au-delà de l'aspect commercial. C'est quand même un raccourci. Mais oui, bien sûr. Non, mais au-delà de l'aspect commercial, moi, ce qui me plaisait, c'est pour ça que je voulais que vous soyez là, vous êtes un vrai modèle à suivre. Le sujet, ce n'est pas simplement ce soir acheter votre formation, c'est que vous êtes un modèle de réussite et vous avez su prendre en main, depuis effectivement ce métier d'agence immobilière que vous connaissez, une réussite en ligne, une présence en ligne en très peu de temps, donc c'est possible. Et donc j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que je pense que c'est important de présenter les modèles qui nous permettent tous de progresser. Merci beaucoup à vous deux, c'était un vrai plaisir. C'était la dernière émission de l'année, on va se retrouver le 11 janvier prochain, on va prendre un petit peu de temps pour revenir avec plein de choses effectivement nouvelles, on va innover nous aussi avec voilà. Mais c'était un sujet qui me semblait pertinent et adapté pour clôturer cette année.
Excuse-moi. Si on peut juste, Clément, peut-être partage ton Calendly. Peut-être les gens ont des questions complémentaires. Je vois qu'on nous demande des informations sur le prix, de manière à prendre rendez-vous avec toi directement. Et donc, je mets directement l'adresse mail du support, en fait. J'ai mis l'adresse mail du support dans le chat. Justement, il y a une personne à plein temps derrière, j'y suis aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec grand plaisir, que ce soit une orientation sur le digital ou quoi que ce soit, vraiment profitez-en, c'est cadeau et toujours dans cette optique d'apporter de la valeur. Jérôme, je serai, si je suis élu Yvelinois de l'année 2020, en le 6 janvier, voilà, pour répondre à ta question. Donc, petite parenthèse, parce que ça m'a aussi amené ça, de la notoriété auprès du département et c'est vraiment génial. Merci beaucoup, en tout cas, Thibaut, pour ce moment. C'était vraiment top. C'était top. Merci d'avoir pris le temps. Merci à tous d'avoir été là. Voilà, l'idée, c'est de partager, de progresser ensemble et d'être encore meilleur en 2021, vous le savez. C'est pour ça qu'on est là, pour le club. Merci à tous et à bientôt. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci, Thibaut. À bientôt.